إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله nous continuons nous laissons connaissance concernant le Coran nous terminons règlement lecture Coran règlement apprendre Coran règlement écoute Coran et là nous rentrons dans le chapitre règlement Mus'haf un règlement concernant Mus'haf le Mus'haf c'est qui était Mus'haf, c'est ce qui nous donne la grâce. Nous avons le Coran, une copie du Coran, dans la langue arabe, on appelle ça un Mus'haf. Un Mus'haf, un livre qui fait écrire le Coran là-dedans. Spécialement, un livre qui fait écrire le Coran là-dedans. On appelle ça un Mus'haf. Définitivement, dans l'islam, c'est un règlement qui concerne Mus'haf qui. Un musulman l'Église connaît. Alors, premièrement, la conception qui les contenus de Mus'haf, c'est le Coran. Et ça, dans une leçon, Kalamullah, nous finissons faire lire en détail. Alors, finalement, c'est un bandit d'Ati, je veux dire, qui ce qui nous est là, pas Coran, ça. Coran, c'est qui Allahul Mahfoud. Comme si il a des Coran, un Coran, l'Olaté, un Coran. Lo Allahul Mahfoud, soi-disant le Coran de Allahul Mahfoud, ça vrai Coran, tandis que le Coran qui compte nous là, ça c'est pas vrai Coran. Alors ça c'est une cause inutile. Alors nous finissons faire ça. Les sons là, nous obligeons à la conception qui Coran qui nous est là dans le Mus'haf, c'est ça même Coran qui est là dans Allahul Mahfoud, puis là des Coran en compte nous en là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ » Ne pas financer le prophète, la poésie, ni ça, il y a une petite chose qu'on veut là-bas, ni. Mais c'est simplement un rappel et un Coran clair. Alors, ça, ayat-là, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama, rahimahullah, lui dit que quand Allah Ta'ala peut dire pas poésie ça, Coran ça, pas poème ça, Coran ça. Alors il dit que par ça nous comprenons que Coran, les salives en arabe qui les composaient des bonnes lettres, des bonnes mots, des bonnes lettres et des bonnes versets. Alors ça c'est première quelque chose qui finira, c'est un démon qui tombe dans les gammes concernant ça. Deuxième, et ça, les. Une petite chose qui nous supposait, mais déjà, mais mettre en pratique, c'est montrer grand respect pour Mus'haf. Montrer grand respect pour Mus'haf. Alors, Mus'haf, c'est un livre qui a la parole Allah là-dedans. Alors, nous ne sommes pas capables de traiter Mus'haf de n'importe qui façon. Alors, il a dit, c'est le marque respect envers le Coran, finina. Verdict de coufre le roli. Alors, ben, l'ulama peut dire ça c'est coufre. Ça dit, là, nous considérons comme un kafir. Ça dit, là, nous considérons comme un kafir. Par exemple, An-Nawawi, rahimahullah, il dit, wa la fa'al al-mujiba, allati alil kufr, hi allati tasdur an ta'ammud wa stihza' fi din, sarih ka sujud al-sanam, ou al-shams, wa ilqa' al-mushaf al-qadurat. Il dit, il y a une action qui, si un démon fait, c'est une action claire qu'un démon, une fille sortie en dehors de l'islam, il y a un cas à faire. S'il veut faire intentionnellement, il veut faire bouffon quand il veut faire cette action-là. Alors, premier exemple qu'un Nawawi donné, il dit que sujoud les sanam. Que sujoud les sanam, comme par exemple, un démon peut faire sajda pour un idole. Ça, c'est un démon fait sajda pour un idole, après il veut le badiner. Ou bien les pas faire ça, pas exprès, pas quitter, ça m'a une petite chose là, les pas pour être accepté, pas une petite chose pour une badine ça. Et du coup, il fait ça déjà, côté un idole. Ça, c'est le premier exemple qu'il a donné, il dit déjà, il a dit, il prend un copie du Coran, il jette ça dans la malpropreté. Alors, ça dit mon là, dans l'État islamique, pour dire qu'il y a un kafir, vous êtes tout il. Ça dit mon là, dans l'État islamique, pour dire qu'il y a un coffre bizarre, tout il. Parce que ça va une action là. S'il y a un fou, il y a un fou. S'il y a un fou, il y a un fou. Il n'est pas fou, non, il est là. Il n'est pas fou.
Un jour, parfois, il prend le Coran, il est dans une place mal propre. Ça dit, on l'a lui faire. Il veut faire couf, il vient un cas à faire. C'est bah, l'olama même qui, dans l'olama, le dire qu'un sahir, un sorcier, celui qui lui peut dire avec. Un shaitan, il tombe dans couf. Il tombe dans couf. Et vraiment, quand nous guettons, qui sort, qui va en action, qui shaitan, il demande un démon pour faire. Afin qu'il s'achète en a pour aider lui dans son sorcellerie, ouais, pour travailler pour lui, c'est seulement qu'il y a du travail là même. À lire le Coran dans la toilette, si pas prendre le Coran, c'est dans la toilette. Ça, quelque chose, hein? Fin témoigner, tu vois, fin témoigner comment, finina, quand fin arrête, c'est un ban sorcier, alors fin trouver qui, je fin prendre le Coran, le mushaf, je fin c'est ça dans ma place mal propre. Alors, tout ça là, c'est manque respect pour Mus'haf, qui arrive jusqu'à Kouf. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, « وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالْمُسْحَفِ مِثْلْ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الْحُشْ أَوْ يَنْقُضَهُ بِرِجْلِهِ إِهَانَةً لَهُ إِنَّهُ كَافِرٌ مُبَاحُ الدَّمِ » Il dit, « Un musulman unanime, là, un musulman unanime, là, tout musulman d'accord, là, celui qui, comme a dit, les manquent respect Mus'haf, comme par exemple les fins zet ça dans la toilette, ou bien les peut morceler, les peut piétiner Mus'haf, les peut dénigrer Mus'haf. Alors ça dit moi là, les kafir qui se disant les halal, se disant les halal. Alors ça c'est déjà une petite chose concernant Mus'haf et Dia, lui obliger montrer respect pour Mus'haf, au contraire. شيخ عبد المحسن العباد يجي ويجب الابتعاد عن كل شيء فيه ترك تعظيم القرآن. لبزاد ديليس نبوت كي كي تشوز كي باسا بابي موتري رسبي بو القرآن. لبزاد ديليس نبوت كي كي تشوز كي سا اكشن لا لي بابي موتري رسبي بو القرآن. ميم كي لي لا باسا اكشن لا لي بابي موك رسبي لي. Lire sur l'intention, ce n'est pas manque respect. Ce n'est pas comme dire qu'il peut déshonorer le Coran. Mais action là dans lui-même, lié à sa signification. Comment il indique un manque respect. On lui dit comme par exemple, il y a par exemple, quand le Coran ne dit pas les deux, ou bien il y a un mushaf là, il met sur les pieds vers sa mushaf là. Alors il y a, il est capable, ça dit, on n'a pas pu faire couvre là, il n'a pas pu dire qu'on a pu donner un coup de pied. Coran, les papes moquent, respect Coran, mais action là dans lui-même n'est pas bon, n'est pas joli. Action là dans lui-même n'est pas joli. Un démon qui va aller mettre sur les pieds vers Coran. C'est-à-dire, quand on veut dire vers Coran, pas comme on dit, il y a un six d'amazi, c'est-à-dire, il n'y a pas d'ailleurs, un saf, des saf, pas saf, à cause qu'il y a un Coran, pas des mains, il va regarder, mais sur lui, pas des mains, pas ça. Mais, quoi dire, les pieds là, lisez ça avec Coran. Les pieds là, lisez ça avec sa mushaf là. Alors, le Cheikh Abdel Mohsen Abadia, cette action-là, il montrait comme si c'est manque un respect envers le Coran, il n'a pas correct. Ensuite, il y a Mas'ala, rentre avec Mus'haf dans la toilette. Rentre avec Mus'haf dans la toilette. Alors, ça, Mas'ala-là, en vérité, il y a plutôt une Mas'ala qui fait mine après. Il y a plutôt une Mas'ala qui fait mine après, parce que quand on peut dire Mus'haf dans l'époque, pas de salaf, ok, c'est une boîte. Et vous connaissez sa quantité de phase qui peut y aller là. Elle dit, pourquoi vous prenez pour être dans la toilette? Alors, là, dans nous, l'époque, c'est Mus'haf, c'est une petite affaire qui rentre dans nous. Dans nos poches, un petit Mus'haf qui rentre dans nos poches. Alors, elle a fini là. Question de la part de Benjamin, qui pose question à Manoula. Est-ce qu'un démon a un Mus'haf dans son poste? Il y a un droit rentrer dans la toilette avec ça. Alors, premièrement, place là, il y a une place pour rentrer avec Coran là-dedans. Ah, définitivement. Déjà, il y a un autre qui se appelle les pas au clair. Les dents nous poussent. Les pas quoi dire, je me l'entends dans le Coran, les verrons dans la toilette comme ça. Les pas, ils nous voient au Coran, les verrons dans la toilette. Alors, à cause de ça, qui de chose là, ne pas vous dire les haram, mais il y a une chose à éviter. Il y a une chose à éviter tant capable, nous obliger à éviter. On aurait dit, c'est un moussaf. Oui, il y a un moussaf, mais c'est validé en poste. Il n'y a pas une chose ouverte, il n'y a pas une chose au clair.
Finina, c'est un, il donne l'exemple, il dit pas, vous pas trop lire, rentrer exactement. Il va dire, pareil pour un Coran, dans nous l'écrire. Pareil pour un Coran, dans nous l'écrire, mais il dit pas, les, ça l'exemple là, il pas, il ne pas trop lire, Djibout, parce qu'il va pas tenir nous l'écrire en dehors, après en dedans, en dehors de la toilette. Tandis que Moussaf, il ne peut pas mettre des idées, il ne peut pas mettre des idées. Donc, tant que capable, nous gardons Moussaf des hauts, nous pas, il y a Moussaf dans nos postes, nous rentrons dans la toilette. Excepté si comme a dit nous paye nous mousraf paye dit il a fait comme ça alors dans sa cas là s'il peut rentrer il pas bouger les haram Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit amma dukhul al hammam bil mushaf la yajouz illa 'inda al darura il dit mon il rentre avec mushaf de toilette il pas gagne droit il pas permissible excepté si il a une nécessité et qu'on te tâche à lui un yusra fala ba'as par exemple tu peux payer ton mushaf du monde qu'on lit allez alors là tu es capable de garder avec toi alors une place que tu peux si pas de ser coquin quand il peut garder quand il vini pas pour là quand il peut vini il va pour là du monde fini prend pour aller ou bien alors il garde ce mushaf dans ce poste pour qu'il lit pas payer du lit allez qu'il ne va pas bouger du monde une coquin lit à cause ça s'il peut rentrer avec Moussaf dans son poste dans toilette on dit bien dans son poste dans toilette il peut prendre Moussaf il peut rentrer dans toilette ça là définitivement il est haram il n'est pas quelque chose qui pour permissible dans din Allah mais c'est un djibon il a Moussaf dans son poste il peut pas faire autrement les PS il est retourné pas pour gagner Moussaf là alors Cheikh Ibn Baz il n'est pas un problème ensuite nous avons une mas'ala comme pose Coran en bas. Pose Coran en bas. Est-ce qu'il est permissible ou bien non? Alors, nous, on a ce qu'on appelle prend Coran un djimon pour qu'il ait envie de montrer qu'il a un respect pour Coran. Il prend le Coran et il met en bas. Ça, c'est haram. Il peut arriver jusqu'à kouf. Il peut pas arriver jusqu'à kouf. Même s'il n'est pas une piétine au Coran, elle est là, un petit exemple. Si un djimon peut piétiner le Coran, il devient un kafir se disant halal. Si un djimon prend le Coran, il met en bas, avec un esprit mort, respect au Coran, même s'il n'est pas une piétinée, actuellement il est haram, il est capable de kouf. Il est capable de kouf parce qu'il s'est mort, respect au Coran. Mais si un djimon peine à dire tout dans ce, l'esprit mort, respect au Coran, ça a un deuxième. Les points de difficulté pour les déplacer, pour les aller un peu loin pour les mettre loin de l'autre. Et troisième, les permettre d'une place propre, par exemple, les dents, masjid. Les dents, masjid, comme on a donné l'exemple, c'est le fait de payer le Coran, il arrive à faire sajda, sajda tilawa. Alors, il pose le Coran en bas, il fait, il n'est pas un problème. Tant qu'il. Cette action-là, il n'est pas pareil une action qui peut déshonorer le Coran. Mais toujours, nous dit, ça c'est ou dans le masjid Tawhid ou Fiyali, ou pas fait dans le masjid Bidati. Ou pas fait dans le masjid Bidati. Qui fait parce que, premièrement, il n'est pas une question Bidati, pas Bidati. N'importe qui musulman, quand il n'est pas connu une petite chose, ou peut faire quelque chose qu'il n'est pas connu, il trouve qu'il. On peut faire des rires. Parce que déjà, ben, l'Indja Bidati, ou Wahhabi, pas content. Prophète, tu connais. Parce qu'il y a trop de courant de poser en bas. Il n'y a pas ce prophète qui ne soit pas content. Courant en dessous, c'est pas content. Alors, ça a évité. Mais si nous dans nos masjid, un djimoun peine à m'imbar prier avec lui, ou bien ce qui pose Moussaf là. Fait dans sa prière avec lui, il n'y a pas de problème. Surtout qui, comme nous, si nous réfléchissons longtemps, surtout quand je suis pauvre, que je suis pauvre, la case, c'est peut-être, un est la case, il y a un dans la case, il y a Lili, il y a l'amour, il y a Cesse, il y a la table, non, sur la case, c'est comme un petit cabane, il rentre là-dedans. Alors, sommes saf avec lui. Le pas veut dire les pas drôle les pas paraît qui les tu peux dans sa façon là que pour Allah les tu peux dans un coin pour Allah Moussaf là il peut dans un coin
الابن تيمية شيخ بن باز رحمه الله يجي إن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتحان. Si un djibon te pose ce mushaf en bas, à cause de nécessité, pas avec un esprit mort, respire Coran, à la ardin tahira, mais il peut poser, il doit être prof, mais ça va bien, hajat il idalik, pour une nécessité qu'il peut faire ça, que quand il nous salit, ou laisse un d'un mahal murtafi. Comme par exemple, il peut faire salat, il peut être Coran, il peut lire, et ensuite, il peut être une place pour lui poser ça. Il peut une place pour lui poser. Alors, si pendant qu'il y a le Coran, dans le salat, il finit, il peut poser en bas, il n'y a pas de problème. Ou, il se joue de tilawa. Ou bien qu'il y a le Coran, il arrive au moment où il s'agit de la tilawa, il pose en bas. Fala haraja fi dhalika, inshallah. Il dit, il ne faut pas trouver qu'il y a un problème là-dedans, inshallah. Voilà, a'lam ba'san fi dhalik, il ne faut pas trouver qu'il y a le péché. لكن إذا وضعه على كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوال جل ديفينيتي ما سينن سيز إنن كمان لوي أو بيا إنن غاك أو ببوز لي لو لا ديفينيتي ما سالي لي بلي ميي لي بلي لي بلي بريدان إن كيت سوز كي نسوتي أن دي أوبان أن دي فيزانس أو كم سامم شيخ عثمان أوسي إجيا لينا با أن بروبلم parce qu'il ça pas appelé quoi dire paix manque respect Coran et il y a ça qui se arrive lui hein, en quantité quand il veut lire dans salat il arrive lire pour faire sajda alors il pose lui en bas il fait ça sur salat il continue ça sur salat alors, ça c'est pas comment dire paix manque respect tout ça. Ensuite on a mas'ala appile au mushaf ou bien servir mushaf pour poser une page là pour écrire. Servir mushaf pour poser une page là pour écrire. Alors, ça va une petite chose là, ben ulama, fin dia, éviter, il n'a pas correct. Ibn al-Muflih, il dit, voilà Ibn Abd al-Qawi. في كتابه مجمع البحرين أنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا. ابن المفلح في مولانا 763 هجري هجرية ابن عبد القوي من جهة سليف مجمع البحرين اللي حرام فيه له مصحف يعني حرام فلو بيعبيه له مصحف il n'y a pas ce mushaf, même là où un livre hadith. Un livre hadith, il n'a pas permissible. Et comme ça même, An-Nawawi rahimahullah, il dit, wa qalu yahrumu tawassuduhu, bal tawassudu ahadi kutub al-ilmi haramun. Il dit, c'est avec le Coran qu'on a noyé, puis pose la tête d'eau là, puis dormi, puis allongé. Il dit, haram, pas ce mushaf, n'importe quel livre. De la connaissance, il n'est pas une petite chose pour faire, pour qu'il soit dans le monde, il fait ça avec le Coran. Ensuite, Nena Mas'ala, ce qu'il m'appelle, tous Coran, tous Mushaf sans Tahara. Tous Mushaf sans Tahara. Nena Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يمس القرآن إلا طاهر كي بيسن فاتس قرآن لا يمس القرآن إلا طاهر بيسن بيزا فاتس قرآن اكسبتي سلوي كي بروب اكسبتي سلوي كي بروب بس حديثان حديث كي لي اوتنتيك الو فينينا دي بيزانس بما العلماء اسكي المسلمان كي بينا غسل لي قادرة فاتس قرآن. Est-ce qu'il y a un musulman qui fait un wudu, il gagne droit tout ce Coran? Définitivement, qui dit sans oiseau, pas gagne droit tout ce Coran, nous savons. Pour ça, sans roussala, pas gagne droit même. Alors, ça c'est l'opinion majorité, ben ulama, pas gagne droit tout ce Coran, nous savons, sans roussal. Ibn Abdelbar, qui fait le haut à l'année 463, il dit. وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى
وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر إذ فينا إجماع دو بان فقهاء تو بان ريجون تو بان لاندروا كي بان علماء كي سي زو ميم كي دون فتوى كي سي كابيل مصحف با غاني دروا توس لي اكسبتي سي لي كي كي بروب يا سي لي كي بينا روسال لي با غاني دروا توس ان ان مصحف لي با غاني دروا توس مصحف الشيخ عبد المحسن العبادي اما القراءة في المصحف فلا يقرأ إلا وهو على طهارة Quant à lire le Coran depuis Moussa, il n'a pas gagné le droit de lire, excepté avec Tahara. Il y a des masses à la haine. Il finit par règlement lecture Coran. Règlement lecture Coran. Est-ce qu'il nous gagne le droit de lire le Coran sans roussal ou bien sans oudou? Sans oudou, pas de problème. Sans roussal et la divergence. Sans roussal et la divergence. Et majorité Oulamadia, même sans Roussal, pas gain droit, lire. Et il y a beaucoup Oulamadia, sans Roussal, pas gain droit, mais une madame qui lit des supérieurs de Haïd, gain droit. Ne fait cause lire, ne fait cause lire, les gain droit, lire. Alors, Mas'ala, lire Coran, c'est une petite chose. Mas'ala, attrape Coran, c'est une petite chose différente. Alors, lire Coran, sans Wudu, il n'y a pas de problème. Lire le Coran sans roussal, quand madame qui l'espère, elle dit pas, il n'y a pas de problème. Trappe le Coran, ça n'a qui, il n'a pas permis ici parce qu'il nous a montré respect pour Mus'haf. Quant à sans oudou, ça aussi c'est majorité ulama l'oula. Et là, certains ulama qui disent sans oudou, si Mus'haf n'est pas le problème. Mais sinon, majorité de l'ama dit Bizaïna, Wudu, avant tous Coran, avant tous Mus'haf, et le Dieu de Rahmaullah, il dit Wama al-Mus'haf, Inna ou la yamassu minhu, Mawudu al-Kitab, Wala hashiyatahu, Wala al-Jild, Wala al-Duf, Ou al-Waraqa al-Abiyad, Al-Muttasibi, Wala bi-Batni al-Kaf, Wala bi-Batni, Wala shay min jasadi'i. Quant à Mus'haf, pas gagné droit de se lire, ni côté fin écrit, ni dessous qu'on imagine en bas ou bien là-haut, ni sous qu'on appelle sous couverture, ni passe blanquée là-dedans, ni quoi dire avec ou paume la main, ni pas, pas là-haut ou la main. Alors, vous ne pouvez pas un dimanche sans wudu et tous Coran. Cheikh Mbarak, Rahimahou Allah, il y a toujours le qira'at du Coran, mais d'où le wudu, il y a la yamassou le mus'haf. Il y a un droit de Coran sans wazou, mais pas tous. Il y a un droit de Coran sans wazou, mais pas tous. On dit ça, c'est l'opinion majorité ulama. Sinon, on connaît Cheikh Al-Bani, Rahimahou Allah, il n'y a pas l'oula, il y a un dimanche. Si les pénas ont les gains de droit à Miriam, pour compter les gens sans Roussal aussi gains de droit, il y a signification sahadid, pas tout ce Coran, excepté celui qui propre, il y a fait référence à un musulman, pour nous dire sahadid, il fait référence à un musulman, les lois, parce que quand le prophète peut dire pas tout ce Coran, excepté un qui propre, le prophète peut dire ça à cause avec musulman. Mais vous pouvez payer des accords avec musulmans. Alors, qui signifie qu'un jour, ça oh, toi, musulman, tu pas tous Coran, excepté quand tu es propre. Excepté quand tu es propre. Alors, qui veut dire, oh, toi, musulman, pas tous Coran, excepté quand tu es propre. Il faut dire, tu es roussal. Obligé, tu es roussal. Quant à Wudu, alors, ça n'a pas dire, si un petit pays ne dit pas, il n'est pas obligatoire, fini la banne, par l'ulama, il dit, il n'est pas obligatoire. Et ça, l'opinion là aussi, et là, Allah Ta'ala, A'lam, surtout, on dit, un djimoun, d'abolive, ou d'où mon cause d'Ola, un djimoun qui, les besoins restent à le Coran, et en réalité, nous tous nous disposons comme ça. Comment a-t-il l'occasion d'attraper le Coran lire? Comment a-t-il l'occasion d'attraper le Coran lire? Ou bien, un djimoun qui, les fait recherche, comme à tête en tout, avec le Coran, pour nous, un djimoun, à chaque fois, faire oiseau, pour tout ce Coran, même les enfants, qui, comme on dit, le bébé fait faire hiv, attrape, fais oiseau, attrape Coran, il y en a
des façons qui nous guérit, elle, depuis l'enfance, nous veut montrer le grand respect pour le Coran, il est positif, définitivement. Il n'est pas une permis de tout ce Coran, excepté avec Oazou. Il peut toujours ça enfants qu'elle a un grand respect pour le Coran. Mais dans l'autre langue, si nous guérit, un garçon, comment dire, nous peut réciter le Coran, à servir, avec Oazou pour le Coran, avec Oazou pour le Coran, avec Oazou pour le Coran. Alors, peut-être ça, il paraît un petit peu difficile. Alors, il y a certains malhonnêtement qui disent roussal, bizarre, mais Oudou, il n'a pas nécessaire. Et ensuite, il y a, si toutefois un musulman, il est bizarre, tous attrape pour un, même qu'il est roussal, même qu'il est oiseau, il y a une situation côté. Comme un Nawawi, rahimahullah, dit le Coran est capable d'être indifé, ou bien il est capable d'être un personnage propre, ou bien un kafir qui le prend. Alors, dans cette situation-là, même qu'il nous vienne à Roussan, notre Coran, nous sommes pas laissés briller, ou bien pas laissés tomber dans la malpropreté, ou bien pour qu'il y ait un kafir, pas tous le Coran. Alors, nous allons dans la situation, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous, quand il n'y a pas tous le Coran, sans Roussan, sans Oudou, si toutefois, nous peut attraper avec un latoual, une enveloppe pli, alors là-dedans, finalement, c'est un bon ulama, je veux dire, pas, l'empêchement là-li, enlevé, l'empêchement là-li, est enlevé si un madame, par exemple, qui vient le Coran, les des supérieurs, un haïr, mettre les gants, il peut attraper le Coran, il peut lire. Alors, finalement, un bon ulama, dit, لي اوكي باغ اكزامبل شيخ حسام ينجي مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث للمحدث وغير المحدث ايديا توس قران بودي ان فوال لي بيامي سي فو للمحدث اي سيلي كي نا با دا لي با دو لي تادي حدث انسيت كان بي كوز كونسيرن توس قران بيزان غسل بيزان وضو بو توس قران سيزيس قران سيزيس مصحف كونتا livre tafsir ou bien livre islamique qui n'a pas le Coran là-dedans, ça n'est pas rentré là-dedans, comme on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie une lettre avant les rois kafirs dans sa lettre, tu n'as pas le Coran, tu n'as pas le Coran, alors c'est pas Mushaf, c'est livre qui finit le Coran au complet là-dedans, ça appelle ça Mushaf. Quant à un ayat Coran dans un livre, la loi Moussaf pas applique l'Oli. Alors si nous pouvons rappeler le tafsir, nous pouvons lire, il n'y a pas un problème. Excepté que Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, il dépend quand c'est le tafsir qu'il y a là-dedans. Si quand même, le tafsir là, c'est plus plutôt dans ce margin qu'il y a en bas, ou bien là-haut, ou bien côté droite, côté gauche, il existe maintenant une explication, quand nous pouvons guetter ce Coran, c'est-à-dire, Coran prédomine tafsir là. Coran prédomine tafsir là. Et alors là, même qu'il y ait un tafsir, il n'y a pas de rappel. Parce que le Coran prédomine lui. Même s'il est égal, la moitié Coran, la moitié tafsir, là aussi non. Il faudrait qu'il y ait un tafsir, il domine le Coran. Là, là, qui nous gagne droit. Ensuite, la DMS à la fois aujourd'hui, c'est laisse-moi petits enfants tout ce Coran. Qui est les petits enfants? Mais qui ne sont pas bien connus, qui se peut toucher ces Coran, ça. Mais il y a des enfants, 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être, qui ne connaissent pas Coran, ça. Est-ce qu'il a un droit? Comment? Il a dit, et la parole, quand il amène ses enfants, il se dit, alors, ces enfants, ils attrapent Coran, et ils peuvent attraper, ils peuvent prendre les boussettes, si pas les boussettes serrées, ou bien ils peuvent poser les pieds là, alors ça, les haram, il n'a pas permissible. Ne pas gagner droit, laisse un enfant, ne pas gagner droit de donner ça à l'occasion là pour faire. Il pas en taux aux enfants. Là, c'est pas papa là qui va en taux. Papa là qui pour en taux. Alors, si il faut nous permettre un enfant, un petit enfant de masjid, nous finissons, nous pouvons trouver la moussaf là, avant qu'ils enfants là, pour aller à ce qu'il y a des trappes coranales, pour risser, pour zéter, pour déchirer. Alors, nous-mêmes, nous, en tant que parents, nous finissons les lieux, nous finissons mettre les là-haut. Alors, ne pas occasionner un enfant. Ce qui nous dit les enfants qui ne peuvent encore atteindre l'âge de tamise. Il n'y a pas fait différence entre un drawing book et qu'un nous ça. Pour lui, peut aider qu'à déchirer, qu'à rayer, qu'à écrire. Alors ça,
un enfant comme ça n'a pas de lit mushaf, excepté si nous peut attraper nous et nous peut faire les lits, par exemple. Après nous reprendre, nous regarder, nous rattraper, nous avec lui, nous regarder quand nous regarder. Mais dans ce cas-là, il n'est pas pour appliquer, il n'est pas pour aucun empêchement. Mais quand il y a deux enfants, il y en a 10 ans, il y en a 3 ans, il y en a 4 ans, pour lui, il n'est pas connu qu'il appelle le Coran, nous peut occasionner, pour comment dire, les manques de respect au Coran. Nawawi, rahimahullah, il dit, أما الصبي فإن كان غير مميز لم يجوز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه. إذا un enfant qui n'est pas mumayyiz, il n'est pas fait différence entre les histoires et le Coran et le mushaf. Il n'est pas fait différence entre ça et le Tala. Ce wali, il est responsable de ces enfants-là, papa de ces enfants-là, il n'a pas gagné droit, laisse ses enfants-là, quoi dire, le Coran, il a la portée de ça, ces enfants-là, parce que ces enfants-là, les poumoc, respect à ça, Mushaf-là, Cheikh Mubaz, Rahimahullah, les gars, Amadoun, Sab'i, Fala Yumakkan, Minmas, Mushaf, Fala Utawadda, Ali Anawla, Wudu, Allah, les Adami, Tamizi, quand un enfant qui n'a pas encore arrivé 7 ans, ne peut pas donner le Coran à Mushaf, même s'il le fait au Wudu. Parce qu'il y a des enfants qui peinent à Tamiz. On vient de dire, si nous avec lui, il n'y a pas un problème. Ou bien, nous pouvons faire lui là. Il n'y a pas un problème. Mais quand nous quittons le Coran dans lui, alors ça, il n'y a pas correct, définitivement. Alors, c'est ça un petit peu, une explication concernant Mushaf. Et c'est un prochain, nous, l'explication de Mushaf pour continuer. Sinon, demain, nous laissons l'eau. نكاح بكونتني سامدي له وجنة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.